C'est qui la meilleure? C'est qui la meilleure? Mais c'est qui la meilleure? Mais oui, allez. Il a cassé le groupe de l'empereur. J'ai bien cassé le groupe de l'empereur. Ne regardez pas comme ça, hein. Vous aurez fait la même chose à ma place. Alors, hein. Salut les seigneurs de guerre, bienvenue sur Creative War Games. Avant le lancement de cette partie, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, MyHobbyPlays. Vous trouverez sur leur site les meilleurs prix du net pour l'achat de vos figurines. De plus, pendant tout le mois de mai, si vous faites un achat sur le site, vous participerez automatiquement à un tirage au sort vous permettant de gagner une boîte Léviathan, la V10 de Warhammer 40 000. Bonne vidéo à tous. Salut seigneur de guerre, ici c'est Balek et je suis là pour dépraver Morgoth avec mes Edonitos Lanesh. Alors, ma liste d'aujourd'hui, qui sera en 2000 points, sera composée d'un Keeper of Secrets, qui sera équipé d'un Aegis, qui est donc un magnifique bouclier, qui a reçu un buff parfait, une ward à 5+, maintenant au lieu d'une 6. Il aura le sort Progeny of Slaanesh, qui... Prodigy of Damnation, excusez-moi, qui lui permettra d'annuler les contre-tirs et les redéploie dans les 9 pouces d'une unité qui aura reçu ce sort. Il sera également le porteur de l'artefact Griddle of the Ring Race, qui va lui permettre de faire des pile-in à 6, mais aussi de gagner le vol. À côté de lui, vous retrouverez le Lord of Hubris, qui sera le général de ma faction des God Seekers, avec le trait de commandement Speed Chaser. Il aura également l'aspect de champion de Gur qui lui permettra de revenir à la vie sur du 3+, car mon adversaire joue corne et j'ai peur qu'il soit beaucoup trop létal. Pour continuer dans les choses magnifiques, on va l'accompagner de Sigvald, le grand, le beau, l'unique, sorti de son miroir juste pour frapper Tata Valkia. Et je compte bien lui arracher sa tête. À côté de tout ça, on va mener quand même une petite bande de Godseeker, avec une bande de 10 démonettes, une bande de 10 Simbarish Twin Souls, 11 archers Blizzbarb, 3 Fiends, qui est mon unité chouchou et marteau qui va se déplacer plutôt vite, et pour terminer, ma deuxième unité chouchou, parce que jamais l'une sans l'autre, les Slangor Fiendblood, qui ont reçu un énorme buff dans ce BT, et que j'espère bien voir massacrer des cornus. Avec tout ça, un petit allié, du moins un allié, de coalition, le Chaos War Shrine, qui va être là pour lancer sa magnifique prière pour faire des charges à 3d6, et une petite surprise, qui va être le Pendule du Destin, que je vous laisserai découvrir lors de la partie pour voir à quoi il sert. Mon armée sera composée de 2 bataillons, un bataillon Warlord pour avoir un artefact supplémentaire, et un bataillon Galetian Vétéran pour taper sur plusieurs rangs. Étant donné que les unités d'infanterie ont été nerfées au niveau des portées, avant on était sur de la portée 2, maintenant de la portée 1, on va profiter que ce bataillon existe. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Morgoth, et aujourd'hui, avec mon armée de cornes, je vais tenter de résister le plus longtemps possible au point de dévastation de Balek, et surtout de massacrer Slaanesh comme il faut. Pour cette partie, je jouerai la sous-faction des suppôts des crânes, qui me permet, sur un jet de charge non modifié de 8+, pour unité amie des 100 liés des suppôts des crânes, d'avoir l'effet frappe en premier qui s'appliquera jusqu'à la fin de mon tour. Pour mener cette armée, mon général sera un prêtre du massacre, armé d'une hache baignée de sang, et qui aura comme trait de commandement au prêtre de cornes, qui me permettra de lancer 2 prières au lieu d'une seule par phase des héros. Ainsi, en plus de sa prière de base, il connaîtra l'instinct de tueur et les flammes impies. Mais il ne sera pas le seul prêtre de cette armée. Il sera accompagné aussi d'une ritualiste saigne royaume qui connaîtra les prières, peau d'airain et liens sanglants. Afin que cette bataille se passe sous les meilleurs auspices, Khorne a dépêché sa favorite, Valkia la sanglante, ainsi qu'un buveur de sang de la fureur effrénée qui lui sera équipé de Argath, la reine des lames. Cette lame annulera tous les jets de protection à 3 pas autour de lui. Personne n'échappe à la fureur de Khorne. En ce qui concerne les lignes de cette armée, elle sera composée de 10 guerriers de sang armés de poings sanglants, de 10 collecteurs de crânes, ainsi qu'une unité de 10 sanguinaires. Il y aura également 6 écarisseurs, ainsi qu'un canon à crâne. Et oui, il y aura quand même une vraie phase de tir chez Khorne. J'aurai également en ma possession un hôtel des crânes, ainsi que les crânes sorcevores. Cette armée sera composée de 2 bataillons. L'un des seigneurs de guerre, avec une prière supplémentaire,
ainsi que l'état-major de Galais. Ma grande stratégie sera qu'on m'apporte un crâne de valeur et mon triomphe sera inspiré. Le tout pour un total de 1980 points. Le sang doit toujours couler et il coulera à flot pour toujours et à jamais. Donc, on vient de finir le déploiement, tout simplement, on a chacun 9 pauses. J'ai gagné, donc j'ai décidé où je me mettais. Donc, mon déploiement est terminé, voici comment ça s'est passé. Vu qu'il y a Tata Valkia qui se trouve actuellement dans les cieux, si je dis pas de bêtises, non, où elle se cache, on a peur d'elle, on a préparé simplement une bulle défensive. Donc, on va retrouver ici les Fiends qui vont permettre de faire un léger cordon et grâce à leur vitesse, pouvoir potentiellement contourner l'adversaire. Le Shrine en soutien pas très loin de notre ami Sigvald pour pouvoir le booster. Notre général, le Lord of Hubris, qui va se balader avec sa garde personnelle qui vont être les Simbaresh. Les archers qui vont rester derrière pour couvrir simplement mes arrières au cas où Tata viendrait. Les démonettes suivis du Keeper qui va se tenir un peu moins de 6 pouces pour pouvoir potentiellement peel-in au cas où mon adversaire voudrait venir dans mes rangs. Et à côté, les Slangor prêts à répondre au cas où mon ami de corne souhaiterait raser mes pauvres petites démonettes. Très bien. Donc, maintenant qu'on a vu le déploiement de Balek, mon déploiement a été somme toute classique, vu qu'avec le scénario des êtres du dessous, entre guillemets, on est obligé de garder vraiment l'objectif qui est vraiment dans notre camp pendant plusieurs tours. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, ce sont les Skull Reapers, ici présents, qui gardent l'objectif, avec en petit personnage la Ritualiste, qui est là exprès pour peut-être désacraliser l'objectif, donc vous donner des bonus. Et derrière, les flancs ont été protégés par l'unité de Blood Warrior et par l'unité de Sanguinaire, avec le canon à crâne, ici présent, qui est là pour repousser, sans doute, sûrement, justement, les Fiends de Balek. On a, comme l'a dit justement mon adversaire, Tata Valkia, qui se balade dans les airs. Petite pensée à elle. Et pour affronter Tonton Sissi plus tard, nous avons donc le buveur de sang en arrière-ligne, vu que justement l'armée de Slaanesh est très mobile. On va éviter de mauvaises surprises à ce niveau-là. Et c'est donc pour cela que, pour contrer la vitesse de Slaanesh, j'ai aussi bien mon buveur de sang que le pack d'écarisseur ici présent. Voilà, comme ça, vu que mon adversaire a plutôt fait une ligne assez jolie, on peut montrer que Korn, on a de la classe, nous aussi on peut faire quelque chose qui ressemble à quelque chose pendant le déploiement. Après, pendant la partie, je ne réponds plus de rien. Aujourd'hui, le plan de bataille sera celui des êtres du dessous, où le principe est très simple et bien frustrant pour nous. C'est-à-dire que, avant de récupérer l'objectif central, il faut d'abord contester l'objectif de notre camp, sachant que pour cela, on ne peut le faire qu'à partir du deuxième round de bataille. Car oui, pour ce scénario-là, même le premier round de bataille, on ne pourra pas contrôler notre objectif. Et encore, je rappelle que avant d'aller choper le central, il faut prendre le nôtre. Et avant de choper celui de l'adversaire, il faut prendre celui du centre. Donc ça veut dire que là, on va s'amuser. Donc du coup, vu que l'ami chaotique a décidé d'être méchant envers mon bon vieux et mes amis Slaaneshi, je vais décider de gentiment lui laisser le tour pour qu'il vienne me faire des câlins entre bons frères et sœurs chaotiques que nous sommes. Frères et sœurs, tout de suite là, dès le début là? Dès le début. Je suis un représentant des Godseekers en Slaanesh, je vais donc avoir un jet à faire pour savoir combien de mes unités vont avoir le droit de faire un mouvement de D6 pouces. Ça sera D3 unités. Une unité, je vais devoir la nommer, ce sera les Fiends qui vont bouger de 6. Donc suite à mon mouvement de 6 pouces que j'ai généré pour mes Fiends, je les ai simplement à peine reculés pour forcer mon cher ami Morgoth à plutôt venir chercher Sigvald s'il le souhaite plutôt que ces pauvres petits animaux. Alors, vu que j'ai le premier tour, ça va être très simple, on va attendre patiemment que sa lèche démontre sa vitesse exécrable, excessive, dirons-nous. Et c'est pour ça que, justement, vu qu'on ne peut pas encore contrôler les objectifs, etc., je vais prendre la tactique de bataille qui s'appelle
mener par l'exemple, si je ne m'abuse, non, mener l'assaut, où il faut que j'ai deux objectifs avec des champions de galets, etc. Comment vous dire que pour celui-là, le temps de le voir venir, ça ne m'intéresse pas, et vu que la plupart des tactiques de bataille de cornes sont basées autour de la destruction, qui n'aura pas lieu tout de suite, autant justement que je me les réserve pour plus tard, lorsque j'aurai beaucoup plus de potentiel. En termes de action héroïque. Et donc l'action héroïque sera celle où justement je vais essayer de gagner un point de commandement qui sera raté. Donc je n'aurai que 2 points de commandement pour ce tour-ci. Sentant une légère menace arriver dans les cheveux de Sigvald, je vais décider de tout de même générer simplement un point de commandement au cas où mon adversaire souhaiterait venir faire des cachotteries. C'est généré. Maintenant que l'action héroïque a été faite, etc., nous allons pouvoir passer à l'un des points forts des Blade of Khorne, justement, c'est-à-dire les prières. Sachant que j'ai 2 prêtres, donc la ritualiste et le sotopriest. Et le sotopriest étant le général, donc elle a le trait de commandement de pouvoir lancer 2 prières au lieu d'une seule par tour. Il va pouvoir lancer, en tout cas réciter, l'invocation des petits crânes, sachant qu'avec l'autel, je double la portée, justement, de l'invocation, de la convocation, je dirais même. Alors, ça rate. Heureusement que je peux relancer grâce à l'autel. Voyons voir. Ça passe. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Balek avait un énorme sourire en mode « Ça y est, les hostilités commencent !» Alors, voyons voir. Donc, je pourrais invoquer mes petits crânes ici présents. Bonjour. Hop. Sachant que je vais en profiter surtout pour faire une sorte d'écran pour éviter de me prendre des charges en double tour. Hop. Ça, c'est encore mieux. Paf, paf. Voilà. Ensuite, mon prêtre du massacre connaît justement le sort pour faire avancer une unité amie gratuitement. Il peut aussi générer des blessures mortelles. Et l'autre, si je ne m'abuse, il peut justement là aussi choisir une unité pour qu'elle ait encore moins 1 à l'arène de ses armes de corps à corps, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là actuellement, je n'ai pas envie de faire avancer une unité alors que le reste peut avancer très vite. Par contre, ça va être la ritualiste ici présent qui pourrait faire soit avancer une unité ennemie de 8 pas vers moi, ou à l'inverse justement de donner plus 1 à la sauvegarde d'armure. C'est ce que je vais faire. Et vu que la menace peut être potentiellement avec les Fiends ou justement avec un gardien secret, etc. Pour l'instant, ça va plutôt être les écarisseurs. Non, les... excusez-moi. Ça va d'abord être les Skull Reapers, ici présents. D'avoir en effet une petite protection supplémentaire. Donc la sauvegarde passe de 4+ à 3+. Et ce sera tout pour ma phase des héros. On va se retrouver juste après la phase de mouvement, excusez-moi. Nous voici donc à la fin de la phase de mouvement où justement les crânes se sont approchés un peu plus de la zone de déploiement justement des Slaaneshi. Ensuite, le reste a essayé de reformer un petit château fort corneux. Vous verrez, c'est très piquant, hein. Ça marche très bien avec vos frites en plus. Ensuite, le plus important, entre guillemets, c'est que la ritualiste ici présente a pu désacraliser l'objectif ici, comme ça toutes mes unités mortelles de cornes auront plus 1 à la touche, à 8 pas autour de l'objectif. Ensuite, mon buveur de sang et les écarisseurs vont préparer l'arrivée des Slaaneshi, mais pas trop tôt. Hein. Je vous ai parlé des frites tout à l'heure, c'est un peu la cuisson, etc. C'est un peu de la cuisine aussi, cornes. Il faut doser le bon moment pour bien aplatir, pour bien les saigner, parce qu'on aime bien la viande saignante. Donc, entre-temps, Valkia n'arrivera pas tout de suite. Vous en faites pas. Elle arrivera au moment venu. Et sinon, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un mouvement pour se recentrer et réviser un peu ces classiques du massacre. Ce sera donc la fin de ma phase de mouvement. Et maintenant, on va passer à la phase de tir. Phase de tir. Ah non, je vous jure, un corne, il y a de la phase de tir. Le buveur de sang fouette. Le canon à crâne, il tire. Mais il n'y a pas de portée. Donc voilà, c'était une magnifique phase de tir. Je suis fier de moi. Ensuite, phase de corps à corps, phase de charge. Ah non, non, ne me regardez pas comme ça. Je vous vois déjà là. Premier tour, il n'y a pas de charge de corne. Eh bien, on fait ce qu'on peut.
1, je suis désolé, mais vous en faites pas, je vais me rattraper comme il le faut dans les prochains tours, promis. Et c'est ainsi qu'à la fin de ce premier tour de corne, vachement bien mené, hein, je trouve, hein, le score est de... Ah non, c'est ça, il est de 0. Là, pour actuellement, il est de 0. Vu que je suis sympathique avec mon cher collègue chaoteux... Il y aurait dit d'un cher collègue, là. Je vais, moi aussi, mener l'assaut. Parce que dans, sur ce scénario, on va mener l'assaut, sur la guillemets. On notera que le Slaanesh est original à ce niveau-là. Bravo. Du coup, comme action héroïque, je vais voir pour générer un CP, encore une fois, avec Sigvald. Ça sera un non. Et à mon tour, je vais tenter d'en avoir un sous vos yeux ébahis. C'est réussi. C'est beau d'avoir des points de commandement et pas savoir quoi en faire. C'est beau. Pour ma part, mon keeper a deux sorts. Du coup, il va simplement pour l'instant tenter de lancer le bouclier mystique. 5, c'est suffisant. Donc du coup, il va lui-même se protéger. Et il va tenter d'invoquer le pendule du destin. 8, c'est nettement suffisant. À la suite de ma phase des héros, j'ai invoqué le pendule du destin qui va simplement faire son mouvement prédateur en se déplaçant. Il va passer hop, au-dessus de mes bistes et sur un 2+, leur infliger des 3 mortels. 2+, c'est un 1. Il ne les touchera pas. Il les a sauvés pour aujourd'hui. Toute une stratégie pour ça. Et du coup, c'est parti pour ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement, le fast était avec moi, j'ai eu une seule advance avec un jet 3, le reste a fait des 5 et des 6. Donc du coup, comme on peut voir, mon armée est plutôt bien avancée, là où mon adversaire a décidé d'être frileux pour un corneux. J'ai décidé de m'approcher un peu plus en prévision d'un potentiel double tour pour pouvoir l'agresser vraiment correctement. Voilà. Début de phase de tir, j'ai quelque chose à faire que mon ami corneux n'avait pas à faire. J'ai ma première ligne d'archer qui va pouvoir tirer dans deux de ses unités, et donc je vais déclencher une attaque en règle. Et en riposte, je vais déclencher une défense en règle sur mes Blood Warriors. On va commencer par les deux archers qui sont dans les Blood Warriors. Ça sera sur du 2+, puis sur du 3+, deux sauvegardes à -1. Deux sauvegardes -1, donc deux sauvegardes à 3, une ratée. Mécanique de Slaanesh, mon adversaire a raté un de ses jets de sauvegarde, du coup je vais gentiment lui proposer un 6 pour encaisser le coup. Tu peux toujours courir. Très bien, dans ce cas, ton unité va prendre des 3 mortels. Ça sera une mortelle. Tout ça pour ça. Exact. Deuxième partie de l'unité, cette fois dans l'autre unité qui avait été buffée par son prêtre juste avant, c'est comme tout à l'heure, c'est sur du 2+, c'est sur du 3+, 2 save, à -1. Deux save à -1, donc ils vont passer à 4. Je vais, comme tout à l'heure, t'offrir un 6. Et comme tout à l'heure, tu peux toujours aller te gratter. Ça fera une mortelle supplémentaire. Très bien. Fin de ma phase de tir, donc du coup simplement mes archers au premier rang ont tiré dans les deux diverses unités, et ont retiré à chaque fois 2 points de vie, un de la blessure de la flèche et une mortelle liée au dé de dépravation. J'ai gagné le jeu d'initiative. C'est pas que je t'en veux, mais je vais prendre le double tour. Et du coup, étant donné que je suis un Godseeker comme tout à l'heure, je vais avoir des 3 de mes unités qui vont pouvoir faire des 6 pouces. Des 3 unités, une seule comme tout à l'heure. Je vais devoir la nommer et ça sera les Fiends. Qui vont pouvoir faire 5 pouces. Donc du coup, début de ma phase de héros, comme stratégie ce tour-ci, je vais déclarer The Great Fist qui va consister à générer 12 points de dépravation avec mes Euphoric Killers. Ce sera l'unité que je nommerai comme étant génératrice de dépravation. Comme action héroïque, je vais tenter de prendre un CP sur Sigvald. C'est réussi. Et de mon côté, je vais faire de même, je vais tenter de gagner un point de commandement avec mon général. Réussi. Mon Keeper of Secret va tenter de lancer le bouclier mystique sur lui-même. 8, magnifique. Alors, les crânes sorcevores ont une particularité très simple. C'est que sur un jet non modifié d'un lancement de sort de 8, ni plus ni moins, le sorcier oublie le sort, ça lui apprendra. Il se prend des civilisations mortelles, pour lui et tous les sorciers
autour de lui. Bon, comme il est tout seul, ça lui apprendra. Et après, surtout, les crânes vont disparaître. Et donc, ici présent, le gardien des secrets va avoir 4 blessures mortelles à sauvegarder. Je suis équipé d'un bouclier, j'ai donc une ward à 5. Eh ben, je vais les prendre les 4. Ça apprendra à Slaanesh, ça. Maintenant que les crânes ont disparu, je vais tout de même tenter de faire mon deuxième sort. C'est parti, il passe sur du 5. Eh ben, c'est raté, c'était le sort qui permettait d'annuler tout mouvement de repli. Je vous l'avais dit, Cocorne, il allait se faire plaisir après. Mon prêtre va tenter de donner une charge à 3d6 à Sigvald, éligible à 18, sur un 3+. C'est réussi. Nous allons voir du coup s'il blesse l'unité de Slaanesh sur un 2+. Oui, il les blesse de... une seule mortelle. Ils gagnent donc le droit de se déplacer de d6 pouces vu qu'ils ont subi des dégâts à cette phase. 2-3, et on est parti du coup pour le début de ma phase de mouvement. Début de ma phase de tir, après une phase de mouvement plutôt mouvementée si on peut l'appeler, j'ai pu m'avancer avec la majorité de mes unités et préparer plusieurs charges. Tu as redéployé mes sanguinaires. Tes sanguinaires. J'ai donc avancé gentiment mon keeper pour qu'il aille leur apprendre ce qu'il sait faire sans magie. Phase de tir, mon général, qui a utilisé son grand artefact du caméo, va donner une attaque en règle à mes archers qui vont disperser leurs tirs au travers de ses unités. 2 des archers tireront dans le char, 2 dans les Blood Warriors, 2 dans les Bloodletters, et les 4 restants dont le chef tireront dans le gros pack de vilains méchants en face de moi. Et du coup, je donnerai une défense en règle sur mon pack. Les 2 archers qui vont aller dans le char, c'est sur du 2+. C'est sur du 3+, 2 sauvegardes à -1. Donc 2 sauvegardes à 5+. Sachant que comme je suis un démon, oui je sais les débravations, non, vas-y, fais-moi tes blessures mortelles. 2 mortelles supplémentaires. 2 mortelles supplémentaires, ce qui fait que j'aurai donc 3 sauvegardes à 5 ou plus de protection pour un seul point de vie. Ensuite... 2 autres archers dans les Blood Warriors. 2 ratés. Blesse à 3. Cassé. 2 blessures à -1. Sur qui cela? Sur les Blood Warriors. Sur les Blood Warriors qui passent à une sauvegarde de 4+. Sauvegardé. Magnifique. Ensuite, dans les Bloodletters. 3 réussites. Blesse à 3. 2 sauvegardes à -1. Donc 2 sauvegardes à 6. Ratés. Je te propose donc 2 dés. Refais-moi justement bah, tes 2 dés de blessure mortelle. Et ça fera 4 mortelles. Plus les 2 points de vie. Oui, tout à fait. Donc de nouveau, des sauvegardes à 5 ou à 6 de protection. Pour 1 mort et 2 morts. Les 4 archers restants dans le pack de grands méchants. Avec le chef, c'est sur du 2+. C'est sur du 3+. C'est un full à -1. Moi aussi, je peux faire le full à -1, monsieur. Je vous regarde. Alors, j'ai 3 échecs. Je vais donc te proposer gentiment mes 3 dés restants. La tentation. La tentation de dire non. D'accord. Donc, nous avons 3 échecs. Donc déjà 3 points de vie, plus 5 mortels. Très bien. Phase de charge. On va commencer par notre ami Sigvald, qui a une charge à 3d6 plus 3. On est parti. Et ça sera une charge à 9 et à 6, 15, 18 pouces. Je veux que tu relances. Je ne suis pas d'accord. Du coup, il aura... En fait, le concept de Sigvald, c'est qu'il a autant d'attaques que son jet de dés. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que les 3 dés sont intéressants. Du coup, là, il va posséder 15 attaques. La charge des Fiends. Et c'est une charge à 10. Et donc, à la réaction de la charge, justement, des Fiends, je vais déclarer un tir de contre-charge avec le canon sur les Fiends. Du coup, ça me fera 4 tirs qui vont toucher non pas sur du 3+, mais sur du 4+. De réussite. Pourquoi tu ne me proposes pas de dés? C'est possible que j'ai déjà mangé tout mon carburant. Ah, c'est ballot, hein. Ensuite, 3+ pour blesser. Réussi. Save à -2. J'ai une save naturelle à 5.
Voilà, c'était beau, c'était merveilleux. Dis-moi. Pour des 3 dégâts. Allez. Pour 1, 2, 3, 4 points de vie. Eh ben ça en tuera un seul. La charge des Simbaresh Twin Soul. C'est une charge à 5. Je pense qu'il me faut à peine plus. On va la relancer, je pense. Tu serais à 6. Ouais. Ça se relance, du coup, vu que je suis en Godseeker, je profite d'une relance naturelle autour de mes héros. Et ça sera une charge à 8. Début de la phase de combat, j'ai accès à un strike first, du coup, avec Sigvald, étant donné que c'est son tour où il a chargé. Du coup, début de phase de corps à corps, j'ai chargé avec Sigvald, il a donc accès à un strike first. Morgoth vient de m'apprendre que chez Khorne, ils sont lâches, et a priori, ils mettent des malus à la touche, maintenant à 8 autour de leur buveur. Je vais donc utiliser, via le caméo du Dark Prince de mon général, 1 plus 1 à la touche sur Sigvald pour contrecarrer ce malus. Du coup, Sigvald étant 2 plus, ça t'apprendra à faire des 1. Et il va blesser à 3 plus. Alors, j'ai une sauvegarde native à 3, qui va passer du coup à 5. Merveilleux, magnifique. Pour 2 de dégâts, si je ne m'abuse. Pour des 3 de dégâts. Ah. Eh ben, c'est pas beaucoup. Ça fait 7. Ça va faire 7 points de vie. Très bien. Alors, autre attitude, justement, vu que tu affrontes des mortels de cornes. Et d'ailleurs, je note que je n'ai pas fait de 6 à la sauvegarde naturelle pour te renvoyer des blessures mortelles. Mmh. Il se passe qu'avec justement les sangliers, donc les mortels de cornes, à chaque fois qu'une unité meurt avec des armes de mêlée, je vais lancer un dé. Là, vu que ce sont des guerriers de sang, c'est 2 dés. Et sur un 5+, à 3 pas, tu te prends une blessure mortelle. Je vais donc lancer 7 dés, et sur un 5+, c'est une blessure mortelle. Ce qui te fait une 2 blessures mortelles. Donc il, du coup, sur Sigvald. Sur Sigvald. Il a une ward à 4. Il va en tanker une et en prendre une. Je vais donc activer à la suite mes Simbaresh Twin Souls. Étant donné que j'étais strike first avec Sigvald, je peux donc m'activer avec mon autre unité. Le malus de Morgoth existe toujours du coup pour les unités à 8 pouces du buveur, donc je vais être affecté par cela. Du coup, j'attaque avec mes Simbaresh. On est du coup sur un profil à moins 1, il touche à 3 de base, et donc à 4. C'est pas si mal. Et en réponse, je me mettrai plus 1 à la touche, plus 1 à la sauvegarde. Oui. Et ensuite, ils vont baisser à 4 plus. Pardon. Et du coup, ça te fait 5 sauvegardes à moins 1. 5 sauvegardes à moins 1. Alors, 1 raté et les 4 autres sont réussis. 2 dégâts. 2 dégâts, ce qui fait que j'aurai un Skull Reaper en moins. Et du coup, je vais pouvoir de nouveau activer ma compétence des mortels de corne, donc sur un seul dé à 5+. C'est réussi, tu te prends une blessure mortelle sur ces 6 barèches. Ouais, étant donné qu'ils sont à 3 pouces d'une unité ennemie, ils ont une ward à 5. Non, ça fera un point de vie. Maintenant, à moi d'activer une unité, je vais donc activer le canon à crâne sur ses fins. Je vais d'abord faire attaquer les sanguinaires qui sont dessus, donc 4 attaques, qui vont passer à cause des malus des fins, non pas à 3+, 3+, mais à 4+, 4+, mais les 6 feront des blessures mortelles. Tu as donc une blessure mortelle, et tu as donc une blessure mortelle. Mais ce n'est pas tout, car le crâne lui-même fait une attaque, qui va passer sur du 5+, raté, et tu as donc une blessure mortelle sur tes fins. À mon tour, je vais activer mes fins qui vont simplement piline sur son trône pour lui expliquer la vie. Chaque fins a 3 attaques sur son profil et donc 4 pour le chef. Et ça m'étonnerait si je n'arrive pas à me... Attends, hop. Non, non, je ne suis pas dedans. Si, je suis dedans. T'es dedans ? Je suis dedans. Et du coup, je touche sur du 4+, je blesse sur du 3+, c'est une sauvegarde 1-1, dégâts des 3. Alors, du coup, je passe à sauvegarde à 6, raté. 2 des 3. Et bien, ça fera 5. Très bien. Il lui restera donc 2 points de vie. Ensuite, les 2 attaques de dard. Elles vont toucher sur du 4+, les 2 touches. Malgré le malus. Blessé sur du 3+, oui, reine moins 2. Je crois que t'as plus rien. Hein. Si, j'aurais... Ma première dîme de sang. C'est vrai. Et du coup, tu as plus de 6 points de vie, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Du coup, ça va faire 2 des 6 de dégâts. Pour 2 points de vie qui lui restent. Eh bien, ça fera 10 dégâts, monsieur Tounou. Voilà, c'est pour prouver. Voilà, c'est qu'il est fini ici. Ah.
Très bien. Maintenant, ça va être au tour justement de mes Skull Reapers ici présents d'activer justement leurs attaques sur tes Cybarèches. Ouais. Je vais leur donner l'ordre de tanker à plus, hein. Défense en règle. T'avais déjà pas mis de la plus 1 à la touche ? J'ai donné plus 1 à la touche à Sigvald. C'est vrai. Non, mais c'était pour voir s'il suivait un peu. Mmh. Alors, voyons voir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, 18 et un 19 avec le champion. Donc ce sera sur du 2+, et les 6 feront des blessures mortelles. Alors, voyons voir. 2, tu as donc 2, 6 pour l'instant. Nous avons dit que tu n'avais pas de malus à la touche. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour l'instant... Ça me fait 9 touches, dont 2 blessures mortelles. Hop, je vais pouvoir lancer cette attaque-là. 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, ça fait 6 blessures mortelles. Ensuite, 9 et 8, ça fait 17. Ça fait pour l'instant 17 touches. Ça va être sur du 3+. Pardon, excusez-moi. Merci. Hop, hop, hop. Et donc, tu auras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît. 11 sauvegardes à moins 1, je me suis donné défense en règle, je suis donc sur une sauvegarde à 4+. Pour 1 de dégâts. 1, 2, 3, 4 points de vie plus les 6 mortels. Tout à fait. Ça fait 10 blessures subies que je vais tanker sur une ward à 5. Oh, joli. Et je vais donc prendre 5 points de vie. À mon tour de m'activer, vous allez vous dire, mais il a plus rien au corps à corps. Mais si, mon keeper engage à 6. Je vais donc tout faire pour me débrouiller pour ne pas être dans la petite bulle, dans les 8 de ce monsieur, et venir par ici. 4 attaques d'épée qui vont passer sur du 3+. Tout touche. Blessé sur du 3+, les 6 feront directement des mortels. Il y a un 6, donc ça fera 2 mortels directement. Et une sauvegarde à moins 1. Une seule sauvegarde à moins 1, donc à 6, raté. Et en tout, ça fera 4 points de vie. Très bien. Les deux coups de pince, qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3. Double as, rien du tout. Fiasco aux dégâts. Ça arrive, a priori, il est motivé. Petit oubli, comme mes 6 barèches meurent, et en plus j'avais fait exprès de les mettre à 12 de mon Lord of Hubris, ils ont le droit de se réactiver pour retaper. Donc, du coup, ils sont 3 à être morts. Ça va faire 6 attaques, comme tout à l'heure, sur du 4+. C'est un bon 4+. Et blessé sur du 4+. 3 saves à moins 1. Ah, raté. 2 PV. Très bien. À mon tour, justement, d'activer les sanguinaires sur son gardien de secret, sachant que les 6, encore une fois, vont faire des blessures mortelles. Elle est pleine de 6. Oh, c'est quand même pas mal. Donc, tu as 3 blessures mortelles. Ensuite, c'est sur du 3+. Nous allons donc blesser sur du 3+. Tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5 save à moins 1, s'il te plaît. À moins 1. J'ai une sauvegarde à 4 naturellement. Je vais donc avoir une sauvegarde à 5. J'en tanque 2, j'en prends 3. Tu auras donc 6 protections à faire. Tout à fait. 6 protections à 5+. Magnifique. Mais il tanque. Ensuite, activation des Blood Warriors sur Sigvald le Magnifique. On est parti pour les attaques, sachant que les Cybarèches en effet me font faire le malus. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5... 5 attaques justement sur Sigvald. 1, 2, 3, 4, 5. Sur du 3+, pour toucher. Tu auras donc 3 touches pour l'instant. 4+, pour blesser. Une seule à moins 1, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Raté. Dégâts. 1. Ward à 4. Non, 1 point de vie supplémentaire. Tu veux dire encore un camouflet pour Sigvald ? On dirait. Ensuite, une attaque pour justement l'arme spéciale qui touche. Ce qui blesse sur du 3+, qui rate, hélas. Fin de la phase de combat, phase de morale. De mon côté, je n'ai pas eu assez de perses sur ma Cybarèche. Mes Fiends ayant un commandement à 10, je ne suis pas gêné. Ensuite, du côté justement de mon armée, les Sanguinaires ont eu 4 morts. J'ai une bravoure de 10, donc même si je fais un 6, je ne fuirai pas. Mais par contre, si je fais un 1, je peux ressusciter un Sanguinaire en plus. Raté.
Ensuite, mais justement Skull Reaper, tu m'en as tué combien déjà? Tu m'en as tué 3 ou 4? Tu m'en as tué 4. J'ai une bravoure de 8 grâce à la bannière. Donc, un dé à la mer. C'est bon, c'est réussi. Et ensuite, les Blood Warriors, eux par contre, vont faire leur petit test à 4. Tu m'en as tué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'en as tué 4. J'ai une bravoure de 7. Je perds un Blood Warrior. Fin de mon tour. J'avais annoncé que je gagnerais 12 points de dépravation à la suite de mon Euphoric Killer. Sigval n'a pas été assez puissant, je n'en ai fait que 7. Et donc, du coup, je rate ma tactique et je reste à 0. Début de mon tour 2 des lames de corne. Alors, je vais prendre la tactique de bataille qu'il veut que je dois tuer un sorcier. Oh bah dis donc, il y en a un là. Ça tombe bien, dis donc. Et ensuite, en action héroïque, est-ce que c'est encore l'heure de gloire du buveur de sang? Non, ce n'est pas encore l'heure de gloire du buveur de sang. Donc, je retrouvais déjà un point de commandement. Ça va être de nouveau mon général qui va tenter du moment de gagner un point de commandement sur un 4+. C'est bon, c'est réussi. Pour ma part, mon keeper se sent grand, beau et fort. Ça sera son heure de gloire. Ensuite, pour le reste justement de ce tour, je vais faire en sorte, avec ma ritualiste ici présente, de redonner justement la peau des reins sur mes Skull Reapers, qui échoue, mais je peux relancer, qui réussit. Ensuite, donc je gagne de nouveau le plus 1 à la save sur eux. Ensuite, mon Slaughter Priest, mon général, va lancer deux prières. Tout d'abord, il va donner plus 1 à la rend, justement, pour le buveur de sang, qui échoue, qui réussit. Donc mon buveur de sang, maintenant, une raid, non pas de moins 2, mais de moins 3. Et ensuite, il va faire en sorte que l'unité, justement, du buveur de sang, va pouvoir faire un mouvement gratuit, qui échoue, qui ne va pas sur la table, et qui ne revient pas sur la table, qui échoue, hélas. Zut, flûte, et comme on dit bien dans le milieu, et mute. C'était donc justement ma phase des héros. On se retrouve juste après la phase de mouvement. Nous revoilà donc justement à la fin de la phase de mouvement de ce tour numéro 2. Alors, le buveur de sang s'est approché de sa cible. Les acarisseurs ont fait à peu près la même chose. Et surtout, le plus important, Valka est arrivée. Non. Et oui. Et donc, sa règle stipule qu'elle arrive à la fin de la phase de mouvement à 9 pas et que sur une choisie unité à 10 pas, elle va lancer un dé, sur 1 il ne se passe rien, mais par contre pour le reste du résultat, ce sera autant de blessures mortelles. Comment vous dire que Sigvald est la cible toute désignée? Donc ce qui fait que Sigvald va avoir 4 blessures mortelles. Il va avoir sa ward à 4, et en troquer qu'une seule et prendre 3 points de vie, il n'y en reste qu'un. Ainsi s'achève la phase de mouvement. Mais nous avons une phase de tir enfin chez Korn, grâce au fouet du buveur de sang. Alors, vu qu'il est encore à son plein potentiel, ça va être 4 tirs. 4 tirs qu'il va faire sur le gardien des secrets. Qui va prendre un défense en règle. Bien comme il faut. Alors. Tu as de la reine? J'ai reine de moins 1. Ouais, bah c'est pour ça. Je le prends. Mais t'as bien raison. Ensuite, c'est sur du 3+. 3+ pour blesser. Rien du tout. Et donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la phase de charge, où là, ça va être très impactant de bien choisir justement les différentes unités au fur et à mesure. Donc tout d'abord, je vais faire charger mon buveur de sang. Sachant que, avant toute chose, il fasse donc choisir l'unité d'écarisseur pour qu'il fasse une charge non pas à 2d6, mais à 3d6. C'est le thème de cette partie, hein, aujourd'hui, les charges à 3d6, etc. Mais dans tous les cas, c'est le buveur de sang qui charge. Il va donc charger à 6. Et donc, décision fut prise de relancer la charge avec le buveur de sang pour qu'il me fasse une magnifique charge. De 6 ratés. Ah là là, quel dommage. À quelques pas près. Et là, ça va changer toute ma stratégie. Mais ce n'est pas grave. Car entre-temps, nous allons faire charger Valka. Qu'elle réussit magnifiquement bien. Alors là, par contre, elle a une cible toute définie. Toute désignée. Dommage qu'elle ne fait pas les touches d'impact. Et entre-temps, la charge des écarisseurs. Là, par contre, il y a moyen de se faire plaisir. Avec les 3D6, ça fait 11, 14. Une belle charge à 14 pas. On va pouvoir se faire plaisir avec. Alors, la particularité, justement, des unités de cavalerie de Korn, c'est de faire, justement, des blessures mortelles à l'impact. Donc, je vais lancer un dé
pour chaque équarisseur. Sur un 1, il ne se passera rien. De 2 à 4, ce sera une blessure mortelle. Et sur un 5 ou sur un 6, ce sera 2 blessures mortelles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5 blessures mortelles, s'il te plaît. Merci Léa. Hop, donc, 5 wards à 5. 4 points de vie en moins. Fin de phase de charge, mon keeper va faire son action de monstrueuse et il va crier dans les cavaliers de cornes. Non ! Ça rate. Début de la phase de combat, mon keeper a l'effet de la Dark Tentation et du coup, je vais proposer une tentation sombre à tes écarisseurs. Et qu'est-ce que ça fait ? À tes écarisseurs, à tes bloodletters, excuse-moi. Et qu'est-ce que ça fait ? Si tu acceptes le don de Slaanesh, je gagne des 3 points de dépravation. Si tu le refuses, tu prends des 3 mortels. Très bien. Mais dans tous les cas, vu que Valkia a chargé et j'ai pris la sous-faction justement des 6 pots des crânes, elle aura l'effet de frappe en premier. Donc je retiens l'offre alléchante que tu m'offres, mais j'en ai encore une meilleure. Elle s'appelle Valkia. Elle arrive dans le dos de Sigvald. D'accord. Donc tes bloodletters prennent des 3 mortels, c'est ça que tu me dis ? Bien sûr, oui. 3 mortels. Très bien. Et donc, phase de corps à corps, comme j'ai chargé avec la sous-faction justement des suppôts des crânes, Valkia a donc l'effet donc, de frappe en premier. Elle a donc attaqué sur Sigvald avec 5 attaques. Sur du 3+. Ensuite, elle te blesse sur du 3+. 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. J'ai une sauvegarde à 3, je passe donc à 5. J'entends que 2. Tu as donc 4 points de vie à sauvegarder en protection, s'il te plaît. Allez. 4 wards à 4. Il est mort. Yes. C'est qui la meilleure? C'est qui la meilleure? Mais c'est qui la meilleure? Mais oui. Allez. Vu que j'ai tué Sigvald, et j'ai un nouveau point de dîme de sang, et il aura son propre marqueur de dîme de sang pour se rappeler que c'était Sigvald. Ah! J'ai refait ma journée là, tu vois. On se posait la question au début. Ouais, Sigvald, Valkia. Non mais t'as vu, je fais une charge, je fais 15 d'attaque. Moi j'arrive. Bam! T'es pas en forme aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Ensuite, trêve de plaisanterie. Maintenant que Sigvald est mort, certes, nous allons pouvoir passer justement aux attaques classiques. Donc, je vais d'abord faire attaquer mes écarisseurs ici présents. Tu es reine moins 1? Je suis reine moins 1, monsieur, oui. Il me reste 12 CP, du coup, je vais défoncer pour un dépense en règle. Très bien. Donc, ce qui fait que tu auras un malus de moins 1, quoi qu'il arrive, puis en plus, tu auras un heure de gloire. Et donc, c'est parti. Nous avons donc d'abord les attaques des écarisseurs, enfin des sanguinaires qui sont montés justement sur les juggernautes. Ce qui fait, voyons voir, j'ai 2 pas de portée. 1, 2, 3, celui-là il est beaucoup trop loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5 écarisseurs qui vont voir attaquer. Donc ça fait 2, 10 plus 1 attaque du champion, 11. Encore une fois, les 6 pour te toucher feront automatiquement une blessure mortelle. Et vu qu'il me reste un point de commandement et que c'est ma grande stratégie, je ne vais pas prendre de risque. Je vais le dépenser pour te mettre plus 1 à la touche. Enfin, pour me mettre plus 1 à la touche. Tu as donc pour l'instant une blessure mortelle. Je touche sur du 2. Ensuite, tu as combien de points déjà? Tu as 2000 points, si je ne m'abuse? J'ai 2000 points, tout à fait. Tu as 2000 points, j'ai 1980 points. Je vais donc dépenser mon triomphe, qui est l'inspiration, pour mettre plus 1 à la blessure sur... Ce qui fait que je vais blesser sur du 2+. Vous allez me dire, j'aurais pas eu besoin. Oui, a priori. Du coup, j'ai une sauvegarde à 4, il met moins 1, je suis en heure de gloire, j'ai ma défense en règle, je suis à une sauvegarde à 3+. Tout à fait. 3 points de vie. Donc tu as 4 en effet protection. Protection à 5. 4 points de vie supplémentaires. Il reste 2. Il reste 2. Mais je n'ai pas fini. Car maintenant, ce sont les juggernautes qui vont voir attaquer. Alors. Là par contre, c'est un pas de portée. 1, 2, 3, 4 juggernautes qui vont attaquer. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 1, 12. Sur du 2+. Non, les 6 ne font pas de blessure mortelle, je vous vois déjà venir. Ensuite, de nouveau sur du 2+, mais là, il n'y aura pas de rend. Hop, donc tu as tout cela à faire en sauvegarde à 3+, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. 4 qui passe. Ward à 5. Il est mort. Rien que pour la peine, tu vois, je vais... doubler, parce que ça ne sert à rien, mais je vais le doubler quand même, ce petit crâne, pour dire, celui-là,
Il en valait la peine. Ouf! Ah, il pique ce tour, mais j'étais pas bien. Hein, j'étais pas bien. C'est à mon tour. En effet. Je vais activer mes Simbarash Twin Souls qui vont taper, comme tout à l'heure, dans nos amis les gros costauds du milieu. Cette fois en prenant une attaque en règle pour contrer le moins 1 du buveur. Et je n'ai plus de points de commandement, donc je ne peux plus me faire encore un point de sauvegarde en plus. Je touche sur du 3+. Je blesse sur du 4. Cela va te faire 6 saves à moins 1. 6 saves à moins 1, d'accord. Donc 6 saves à 4 ou plus. 1, 2, 3, 4 ratés. Ouf. 8 points de vie. Non mais tu tapais sur mes boules driver, on est d'accord hein? Pas du tout. Ah d'accord, ça part. Alors, 8 points de vie de nouveau, la règle s'active, ce sont des sangliers. Ils vont pouvoir faire justement des blessures mentales pour les morts. Et donc, entre temps, je vais lancer 3 dés. Et sur un 5 ou plus, ce sera une blessure mentale. Rien du tout. Cette fois-ci, je vais activer, hop, le moins une attaque, tout à fait. Donc 1, 2, 3 attaques. Ce sera avec une blessure mentale pour l'instant. Ce sera sur du 3+. Pour 3 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît. 3 sauvegardes à 5. Et donc tu auras 4 protections à faire, s'il te plaît. 4 protections à 5. 4 points de vie, ça fera 2 morts qui vont tout de suite retaper en partant. Sur du 3+. Sur du 4+. 2 saves de nouveau à moins 1. Sauvegardez. Alors, je vais activer les Blood Warriors ici présents. Cette fois-ci, j'ai toujours plus 1 à la touche. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4 attaques. C'est le champion, c'est le champion. 1, 2, 3, 4, 5 attaques sur du 2+. Hop, sur du 4+. Une seule sauvegarde à moins 1, s'il te plaît. C'est tanké. Sachant que, il est vrai, je l'ai oublié au premier tour, mais cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Le buveur de sang, en plus, avec son attitude de mettre un malus de moins 1 à la touche, je vais lancer un dé sur un 4+. Les unités ennemies à 8 pas vont se prendre des 3 blessures mentales. Oui, pour une blessure mentale sur ces 6 barèches. 5+, c'est tanké. Très bien. Comme quoi, ces 6 barèches, depuis tout à l'heure... Plus tanky qu'il n'y paraisse, ça. C'est de la qualité, hein, monsieur, ça n'a rien à redire. Donc, du coup, voyons voir pour la phase de déroute. Tu m'as fait de nouveau 3 morts avec mes Skull Reaper. Je vais donc faire mon test de déroute, qui est réussi. Et ensuite, pour les Blood Warriors, il ne s'est rien passé. Ce qui fait que, de nouveau, j'ai mon objectif, mais là, ça ne compte pas de points de victoire pour ce tour-ci. C'est vraiment plus que j'avais mon point de commandement hop de mon général. Donc, il ne faut pas l'oublier hein, de temps en temps. Mais par contre, j'ai réussi, contrairement à toi, ma tactique de bataille, ce qui fait que je marque 2 points à la suite de ce round de 2. Initiative. Du tour numéro 3. C'est parti. Allons-y. Initiative 4. 5. Oui. Je vais le garder. Du coup, j'ai décidé de prendre l'initiative au tour 3. Comme par hasard. Mais j'ai quand même mon pouvoir de Godseeker de pouvoir déplacer des 3 unités. Une seule, ça ne changera pas. 2, des 6, ça sera mes Slangor. Action héroïque. Mon cher et grand Lord de Fubris va déclarer son heure de gloire. Parce que c'est l'heure d'y aller. Et de mon côté... Et ce sera au tour du général Slaughter Priest de déclarer aussi son heure de gloire. Ma tactique de bataille sera œil pour œil. Mon Warshrine va tenter la prière pour charger à 3d6 sur le Lord of Hubris. Ça fonctionne. Ensuite, de mon côté, je vais enfin pouvoir utiliser un peu ma dîme de sang. Donc je vais utiliser le premier palier qui va pouvoir me faire, faire avancer des 3 unités. De corps d'un des 6 chacun. Donc ces 3 unités seront Valka, ce sera aussi le buveur de sang ainsi que les sanguinaires. Donc Valka va faire un mouvement de 6. Hop. Ensuite le buveur de sang
lui va faire un mouvement de 6. Tandis que les écarisseurs, enfin les sanguinaires, pardon, vont faire un mouvement de 3. Pour mon point de dîme de sang, Valkia s'est ramenée en face des Fins pour entre guillemets un peu mettre en difficulté son mouvement et ses charges. En tout cas, il doit réfléchir un peu plus. Le buveur de sang est venu se rapprocher, faire le gros garde du corps justement de mes deux petits personnages, tandis que les sanguinaires ont fait leur mouvement de 3 pas pour se rapprocher un peu plus de l'objectif. Phase de mouvement. Ouais. Fin de la phase de mouvement. J'ai tout avancé pour essayer de conquérir son point, parce que si j'arrive à le reprendre ce tour-ci, c'est la victoire. Et en l'occurrence, il a de l'avance sur les tactiques, donc c'est ma solution pour gagner. À la suite de mes mouvements, mon cher ami Morgoth a fait un redéploiement sur ses Bloodletters en toute logique pour ramener plus de monde sur l'objectif. Du coup, phase de tir, mes archers vont, comme tout à l'heure, tirer un peu partout pour essayer de répandre la dépravation que Morgoth ne veut pas depuis tout à l'heure. Deux des archers vont tirer dans les Bloodwarriors, deux des archers dans les Skull Reaper. Et le reste va partir dans les Bloodletters qui sont si gentiment déplacés pas très loin. Donc. Je vais utiliser un CP pour avoir une attaque en règle. Mm-hmm. Et c'est parti. Dans les Blood Warriors, sur du 2+, sur du 3+, une seule save, un -1. Raté. Je te propose un D6. Non. D3 mortels. 2 mortels. Ah oh là là. Ensuite, dans les Skull Reaper, tout qui touche, blesse à 3, 3 save à -1. J'arrive. Je t'en prie. 3 save à -1. Une ratée. Et avant que tu me poses la question, c'est un non. Ah bah d'accord. Bon, bah écoute. Je te propose une mortelle supplémentaire. Bon, un mort. Ah. Un point de vie et une mortelle. Et ensuite, les 6... qui vont tirer, dont le chef, dans les Bloodletters, sur du 2+, sur du 3+, ça te fait 3, 4, 5, beaucoup. 6, 7, 8 save, hein, -1. Okay, 8 6. Save à 6. Non, maîtresse des dés, là, c'est bon. Alors, voyons voir. 5-1, ça fait 6, mais ça ne compte pas. Comment vous dire? Ah, tu me les proposes pas là pour le coup, là, les distractions. Ça fait 4 morts, c'est ça? Bah oui, là ça fera donc 1, 2, 3 et 4, vu que je n'ai pas le droit à ma protection de 5+, vu que j'ai au moins une unité qui est à 8 pas ou moins. Phase de charge, on est parti, on y va. Le Lord of Hubris va faire sa charge à 3d6. Ouf! Et du coup, c'est une charge à 17. Vous doutiez de l'intérêt de l'hôtel chez Slaanesh? Chose importante, là c'est pas mal. Mon général a le trait Speed Chaser qui va me faire lancer du coup 17 dés et sur chaque 4+, ça fera une mortelle. En vrai, on va aller là sans engager Valkia. Ok. Et du coup, nous allons lancer 17 dés dans les Blood Warriors. 4+. C'est beau quand même. Hein. C'est beau. J'ai l'impression de jouer au gore. Charge buffle. Et du coup, ça fera 5, 9 mortels, s'il te plaît. Oui, oui, donc c'est surtout combien de morts, hein, surtout à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont morts. Et oui, sachant qu'ils sont morts. Et en effet, le sanglier, ce n'est que pour les attaques de mêlée. Ça ne compte pas pour la charge. Donc, un point de dîme de sang supplémentaire. J'ai gagné un point de dîme de sang, faut se dire ça. On va tenter de faire charger les démonettes. C'est parti. Charge à 5. Raté. Donc c'est raté et je n'ai pas le CP pour. Oh là 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 là. On va tenter d'y aller avec nos amis les Slangor. Charge à 6. Ça par contre, on y est parce qu'il y a un joli tremplin juste devant. Charge suivante. Les Fiends. Charge à 10. On a besoin de mettre du nombre. Je vais tenter d'y aller avec les archers. Même s'ils ont tiré? Même s'ils ont tiré. Et tu n'as pas fait sprinter? Ils n'ont pas couru, ils ont juste fait 6 de mouvement. C'est pas assez. Est-ce que je suis entièrement dans les 12 de mon héros? Oui, j'ai une relance.
C'est un doublas, ils ont décidé de ne pas y aller. Je ferai après le tir de contre-charge. Je t'en prie. Tir de contre-charge de mon buveur de sang sur Tiffins. Donc, ce sera sur du 4+, de touche, sur du 3+, de save à moins 1, s'il te plaît. De save à moins 1. Bah, je vais 2 des 3. Une, 2, 3 points de vie. À mort. À mort. Phase de corps à corps. On va engager directement avec les Slangor qui vont dire que c'est l'horreur de folie furieuse. J'ai l'horreur de quoi, l'excès de violence. Le concept, c'est qu'en fait, ils vont taper et ensuite ils auront le droit à une nouvelle activation en Fight Last. Voilà. Et du coup, je vais utiliser le dernier CP que j'ai pour leur donner plus 1 à la touche. Pour contrer le moins 1 que tu me donnes si gentiment. Ah bah. Du coup, celui-ci va mettre ses attaques de mêlée dans notre ami le prêtre. Mmh. Celui-ci étant éligible n'ira que dans les skulls et celui-ci ira dans le blood. Très bien. Commençons par notre ami qui est sur le prêtre. C'est sur du 4+. Vous avez vu que je me suis mis le plus 1. Ça blesse sur du 3+. Tu arènes de combien? Moins 1, mon ami. Moins 1. Du coup, je vais me donner le plus 1 save. Et quand ça, vu que je suis sur mon ordre de voir, j'ai une save à 4. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Ce ça spectacle fera... vous est offert par corps. Alors là, c'est beau. 4 points de vie, du coup. 4 points de vie. Il lui en reste encore 2. Ça va. Les skulls. C'est sur du 4+. Une seule. Sur du 3. Rien du tout. Et ensuite, celui sur le blood letter. Sur du 4. Sur du 3. Sur qui t'as tapé déjà hein, le... D'ailleurs, je note que, du coup, pour le Subtle Priest, ah non, il y a des dépravations, on n'en a pas besoin. Oh non, non, pour l'instant, ça ira très très bien. Ah oh, oui, hein. Moins 1, donc du coup, à 6. Raté. Et du coup, ça fait 6 points de vie dans ton Blood Letter. Oh, ça me fait un point de vie de sang. Enfin, moi, je réfléchis comme ça, là. En l'occurrence, je viens de lui retirer en tout et pour tout avec cette unité 6 points de vie. 2 sur le Blood Letter, on ne peut pas titrer ce qui est en supplément, alors ça n'existe pas. Et 4 sur le prêtre, je passe donc à 13 points de dépravation et gagne l'effet d'avoir moins 1 pour me faire toucher au corps à corps. C'est beau quand même. Hein. C'est bon, hein, c'est la neige qui s'amuse. Hein. Mais t'en fais pas. Korn a du répondant là aussi. Car je vais activer, voyons voir. J'ai le choix entre Valkia et mon petit Subtle Priest. Je vais activer plutôt Valkia. Donc 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Sur du 4+. Tu as ouais, moins 2 pour me toucher, mais donc c'est pour ça que ouais tu bah, as content. Voilà, moins 2, ouais, tu bon, vois. Magnifique. Ah, mais si tu veux, je relance. Hein. Et moins 1 pour me blesser. Et moins 1 pour blesser, nananère. Bah tiens, et tout de suite, encore une fois, il y a des dépravations, on les voit plus. Ah bah dis donc, décidément. Hein. Tu fais dégâts combien? Non, mais je t'ai pas blessé, sinon je fais dégâts 2. Non. En fait, il peut me tuer, en fait. À mon tour de m'activer, oui. Je vais activer le Fiend qui est tout seul, sans amis, et qui se sent si seul. Toutes les attaques vont partir dans le prêtre. Ah bon? Oui. Tu as moins 1 à la touche. J'ai moins 1 à la touche. C'est sur du 4+. C'est sur du 3+. Une seule, moins 1. Une save à moins 1. Dégâts des 3. Ah bah alors là, des boîtes de dépravation. 3 dégâts. Eh bien, sache qu'il est engagé par Gur. Eh bien, vas-y, reviens à la vie. Je reviens à la vie, devant vos ébahis. Il revient. Avec 2 PV. Voilà, il n'a pas bougé. D'accord. Il a fait. Du coup, la suite des attaques ne se passe pas. La ritualiste, vous la verrez pas beaucoup au corps à corps, à moins que vous la turbo-boostez, mais nous allons voir ça ensemble. Plus 1, moins 1, je touche sur du 3. Une touche. Je blesse sur du 3. Je blesse. Une save à moins 2. J'ai plus de save. Je te fais des 6 dégâts. Vas-y. Save!
fugue. Comme quoi, il faut booster la ritualiste. Ça va faire 2. Ça va faire 5. Et un point de vie de plus ici. On va activer, mes amis, les Simbaresh. C'est parti. Ils ont moins 1 pour toucher, du coup. Ils sont 5. Tout part dans les Skull Reaper. C'est sur du 4+. C'est sur du 4+. Oh oh. 2 saves. Un moins 1, s'il te plaît. 2 saves. Raté. 4 points de vie. Sur un 5+, la blessure mentale. C'est bon. Et du coup, je peux choisir une unité à 3 pas. Je vais le faire sur les Fiends. Enfin, sur les Sangor. Ouais. Hop, il aura bien un point de vie. À ton tour de t'activer. Que 2 attaques. T'as vu, hein, c'est sympa quand même. Hein, Korn, ils sont gentils chez Korn. Je mets toutes les attaques justement sur les Slangor. J'ai plus un moins 1 pour la touche. Tout à fait. Donc ça passe. Le surnom de gloire sur du 2+. Tu as 2 saves à moins 2, s'il te plaît. 2 saves à moins 2. Je n'ai plus rien, c'est dégâts. 2. Donc ça te fait 4 points de vie en moins. Tout à fait. Le Land of Fluris. J'ai 5 attaques qui touchent sur du 3 normalement, donc sur du 4. Hop, qui vont blesser à 2+. Reine moins 1. Sauvegarder. Un ton tour. Ensuite, le Skull Reaper va attaquer justement les Stangor. Donc j'ai moins 1. Donc encore une fois, les 6 pour toucher font de la blessure mentale. J'ai plus 1, moins 1. Une blessure mentale sur le Slangor qui fait 2 touches. Mm-hmm. Et je ne sais à combien de pas que tu me fais moins 1 touché blessé. À 3 pouces. 3 pouces. Oh du coup, lui aussi. Il... Oui, mais j'avais fait de bons. C'est pas moins 1 touché. Moins 1 touché blesse, sur... c'est seulement sur le Fiends. Ah, quand tu le fais que ouais, sur lui. Ouais, c'est que sur lui. Ouais. Ça marche. Je voulais pas te douiller à ce niveau-là. Donc ça passe. Une blessure mentale, 3 touches. Pour 3 save à moins 1 s'il te plaît sur tes Slangor. 3 save à 6. Donc 3 points de vie. 3 et, points de vie. Et 1 point de vie en plus par la blessure mentale du 6. Ouf, ça tuera celui-ci. Ok. Et maintenant l'attaque scélérate. Qui touche. Qui touche ou qui ne touche pas. Ah si, j'ai plus 1 à touche, ça passe. Qui blesse, une save à moins 1. À 6. C'est tanké. Oh, sinon ça aurait été le D3 dégâts, ça aurait été beau. Merveilleux, magnifique. Du coup, ils vont se réactiver vu qu'ils sont en fight last. On va essayer de tuer le ritualiste. Du coup, 5 attaques sur du 4+, donc j'ai le plus 1. Qui blesse à 3. Une seule save, moins 1. À 6. Non. 2 dégâts. 2 dégâts. Il reste donc 3 points de vie. Il reste donc 3 points de vie. J'ai refait 2 dégâts supplémentaires, ce qui se rajoute à mon stack de points, et du coup, je passe à 15 points de dépravation. Phase de déroute, le Slangor s'en va vers d'autres cieux. Salut l'ami. Qui comptera pour un point de digne de sang. Et tandis que, justement, le Shadow Skull Reaper, il survit, tant bien que mal. No. Résultat des courses. Je compte pour 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je garde toujours l'objectif. Tout à fait. Et en termes de tactique de bataille bah, j'ai raté encore mon œil pour œil. Ah non, je l'ai réussi, j'ai eu tes blue letter. Non. Si je fais un triple 6. Vous voyez le sourire qui a été au... Ah oh, merde. Du coup, on est à 2-2. Et donc c'est parti pour ce tour numéro 3 des lames de Korn, où je vais prendre comme tactique de bataille œil pour œil, parce que je vois pas pourquoi toi, Sanef, tu devrais t'amuser à ce niveau-là, hein. On peut montrer que nous aussi on sait s'amuser. Et surtout, on va pouvoir se faire plaisir à élaguer un peu tout ça. Donc tout d'abord, phase des héros. Je vais justement faire en sorte de balancer mes prières. Donc tout d'abord, le stoplist ici présent va faire le sambouillant sur le... Tu ne fais pas d'action héroïque? Ah si, l'action héroïque, excuse-moi, ce sera l'heure de gloire de Valkia. Sachant que, je le précise tout de suite, ma grande stratégie est qu'on m'apporte un crâne de valeur. Ce qui fait que Balek, ici présent, a donc désigné un de ses héros, c'est-à-dire le Lord of Hubris, et donc ma tactique, ma grande stratégie, est d'éliminer
le Lord du Fébris et que moi, mon général reste encore en vie. C'est pas gagné. Du coup, pour ma part, action héroïque, mon héros va décider de reprendre une phase de combat. À cette phase. Du coup, on va pin. Du coup, il va taper sur ton Skull Reaper. C'est parti. Sur du 4+. J'ai toujours le moins 1. Ou alors, c'est que en phase de combat? Non, c'est... 3+. 4 save. Un moins 1, s'il te plaît. Ça annonce un point de dip 200. Bah dis donc, à moins 1, c'est ça? Sachant qu'en plus, comme c'est mon tour, je n'ai plus ma petite protection. Du coup, il est mort. Donc revenons un peu à nos moutons, ou plutôt à nos bêtes de slanèche à ce niveau-là. Je vais donc faire mon sang bouillant, qui passe pour faire des 6 blessures mortelles. 5 blessures mortelles sur... Voilà, encore un point de dîme de sang. J'en suis à 7, et je ne vous cache pas que là je regrette de ne pas avoir amené un autre buveur de sang. Mais c'est pas grave, hein. À force, on va y arriver. Hein. De toute façon, c'est 10 hein, pour l'invoquer. Alors, maintenant que cela est fait, j'ai encore une autre prière à faire, justement, avec mon Subtle Priest. Et ce qu'il va faire, justement, c'est de faire un mouvement supplémentaire pour mon buveur de sang, qui réussit. Ensuite, avec autant de points de dîme de sang, je vais utiliser encore une fois, pour un point de dîme de sang, faire bouger 3 unités. 2d6 chacun. Donc mes 3 unités, ce seront justement les écarisseurs. Ensuite, je ne peux pas le faire pour mon pour les unités qui sont engagées à 3 pas. Donc là, ma rétaliste restera bloquée quoi qu'il arrive. Pareil pour mon centralist et pareil pour Valkia. Donc ce qui veut dire que je peux surtout faire bouger et le buveur de sang, mais surtout les écarisseurs. Donc ça sera tous les écarisseurs qui vont faire un mouvement de 6. Ceci ne clôture pas encore ma phase des héros, puisque j'ai toujours ma ritualiste. La ritualiste a la peau des reins, ou justement le Bloombind, pour faire justement avancer les unités vers moi. Comment vous dire que j'ai une petite unité d'archer qui se demande qu'est-ce qu'elle fait là. J'ai envie de dire, on va lui faire les présentations. Hein. Alors, c'est à portée. Alors, elle avancerait de 8 pas vers moi. Déjà, le sort, enfin la prière, réussit. Donc, ce qui fait que les archers édonites vont avancer de 8 pas vers moi, vers le chemin le plus proche de ma rétaliste. Ceci clôture donc ma phase des héros. Nous nous retrouvons donc à la phase de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement de mes petites lames. Ce qui s'est passé, ce sont les écarisseurs qui ont profité de leur élan pour se rapprocher de ces deux packs. Le buveur de sang, en plus de son mouvement gratuit à la phase des héros, a pu refaire un autre mouvement pour se mettre à portée. Et maintenant que la phase de mouvement est terminée, vu que le reste est engagé quoi qu'il arrive, je vais faire la phase de tir. Pardon, la phase de tir va être simple comme tout. J'ai 4 tirs de fouet que je vais faire sur les archers. Je touche sur du 3, c'est beau, c'est merveilleux. À moins 1. Ah bah oui, c'est vrai. La dépravation. Bah comme quoi, encore une fois, on vous prouve que, bah voilà. Corne ne tire pas. Voilà. Si, en contre-charge, avec un canon à crâne pour buter des bêtes de Slaanesh. Voilà, je vous ai donné l'indication comme quoi corne ne tirait. Mais par contre, au corps à corps, ça, c'est un plaisir. Bon, vous l'attendiez, oui, on va la faire, je vais la faire. Les phases de charge. Le buveur de sang va charger. Il charge bien comme il faut. Donc, il charge à 7. Il va sous tour se faire plaisir en mode bonjour. Je vais contre-tirer. Bizarre. C'est sur du 4+. Du coup, vu que j'ai le moins 1. C'est stat, a priori. Ça a l'air pas trop mal. Je vais t'aider. Hop. Et ensuite, on va blesser sur du 3+. Je vais te raider, attends, bouge pas. 3+, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Reine moins 1. Reine de moins 1, très bien. Donc, ça fait 4 qui passe à 5. Voyons voir, je perds 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il a encore son premier palier, il est vénère.
Je te propose 4D. Ça fait quoi déjà le deuxième palier? Ah oui, les 6 qui font les 6 des... la touche font des mortels, en plus. Oh, 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 c'est tentant. T'es à 15. Non, mais... Non, mais... Même les corneux, là, je veux savoir. Là, c'est le buveur, là, Sean. Ah, je les accepte. Vas-y, allez, je les accepte, ça me fait plaisir. 10, 11, 13, 14, 15. 15, j'étais à 15, à 30, actuellement à 15, maintenant. Je suis à 30, donc j'ai débloqué le deuxième palier, et il me manque 6 points pour avoir la ward à 5 sur toute l'armée. Ne regardez pas comme ça, hein. Vous aurez fait la même chose à ma place. Alors, hein, j'étais trop loin, du coup, pour faire l'aptitude du buveur de sang pour faire la charge à 3d6, donc ce sera une charge à 2d6 avec les écarisseurs, qui est largement faisable à ce niveau-là. Et surtout, ça va être les petites touches d'impact, vous les voulez, bah les voilà. Hop, je vais juste éviter de me retrouver à 3 pas de ville démonette. Hop. 1, 2. Ya, yeah, la bannière 3. Le mouvement 8 me permet d'aller jusqu'ici. Hop, c'est juste pour faire maximiser les touches d'impact. Voilà. Donc, j'aurai... deux écarisseurs qui vont faire les touches d'impact dans ton unité d'archer, mmh. Et deux autres écarisseurs qui vont le faire sur tes cibarèches. Mmh. Alors, les deux écarisseurs sur tes archers. Tu as donc deux blessures mortelles, pardon, excuse-moi, mmh. Que tu ne peux pas annuler à cause du buveur de sang. Et ensuite, de nouveau, les deux écarisseurs qui vont attaquer là-dedans. De nouveau, deux blessures mortelles sur tes cibarèches qui n'ont pas le droit au sauvegarde invulnérable. Ça fera un mort. Tu as combien de points de vie avec ton 5 lord points de vie. Tu as 5 points de vie avec ton lord. Très bien. Eh bien, écoute, je vais le piétiner. Non. Ah si, ça passe. Puisque ce sera 3 plus. Oui, tout à fait. Donc, pour 2 points de vie. Ward à 4. Tu n'as pas de ward. Ah oui, c'est vrai. Équipé de Argaf, la reine des lames. Le buveur va faire son petit mouvement. Alors, j'ai 8 attaques de base et je suis toujours sur mon profil le plus haut. Donc, c'est 4 attaques. Je vais en faire... Il te reste 3 points de vie, c'est ça? Tout à fait. Je vais en faire 4 sur le Lord et 4 autres sur les cibarèches. Ouais. Tu as moins une attaque sur chacun de ton profil. Pas de souci. Donc, je vais faire 4 attaques sur le Lord et 3 attaques sur les cibarèches. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre plus 1 à la touche. Ça, j'annulerai tes malus. Donc, sur le cibarèche, tout touche. Ah oui, ouais, bah voilà. Non, mais ça arrive, je lui laisse une chance, vous comprenez. Une save en moins 2. Save en moins 2, save en 6. Non. Pour des 3. 2. Et ben du coup... Il va mourir, mais il va taper en mourant. On va du coup décider de prendre... Il n'est pas enragé par Gur? J'ai cru que tu me parlais de ici. Non, non, je te faisais attaque sur lui. Ah, donc il n'avait même pas de sauvegarde. Enragé par Gur, 3 plus. Oui. Il revient avec... 2 points de vie. Très bien. Eh bien, ensuite, les 3 attaques sur Sibarèche. 3 touches. Non, mais là. Pas grave. 2 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 6. Non. Pour 2 des 3. 1, 2, 3, 4. Ça fera 2 morts. Donc, du coup. Ils pourront attaquer. Ils pourront attaquer. Du coup, on est parti. 4 attaques. De 5, il y a le chef dedans. Sur moins 1 à toucher. Ouais, 4 plus. Hop. Sur du 4 plus. 1 à moins d'un. 1 à moins d'un, 1 à 6. Raté. 2 dégâts. 2 PV. Il lui reste 1 PV. Ouh. À toi maintenant d'activer l'unité. Tout à fait. Je vais activer mon Lord. Qui va pile in pour reculer de manière à ne plus être dans les 3 de Valkia. Très bien.
Et on va tout mettre dans ce bon gros démon. C'est sur du 4. C'est sur du 3. Une seule à moins 1. À moins 1, à 5 du coup, raté. 2 dégâts. 2 dégâts. Du coup, il passera sur son autre tableau. Il restera donc 9 points de vie. Tout à fait. À toi. Alors, maintenant, je vais activer mes écarisseurs. Bonjour. Non, je vous ai vu. Non. Voilà, c'était une magnifique activation. Donc, l'écarisseur ici présent, vu qu'il te reste 2 points de vie, va mettre ses attaques sur ton lord. Et les. Pareil pour les attaques de Jules Garandot. Merci beaucoup, Franck. Heureusement que tu es là. Et tout le reste sur tes archers. Alors, d'abord, l'attaque sur ton lord. Une seule touche. Qui blesse. Une seule, moins 1, s'il te plaît. À 6, non. Raté. Ensuite, l'attaque du. Pardon, Juggernaut. Deux touches. Qui blesse. Deux secondes, normal. Et le dernier point de vue qui part. Ensuite, attaque des écarisseurs, dont le chef. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de 6. Pas de malus. Ah si, malus, ça la touche, donc voilà, c'était beau. Ensuite, nous avons les attaques des Juggernauts, qui touchent 4 fois, qui blesse une de 3 saves normales, s'il te plaît, sur tes archers. 3 saves normales dans les archers. Hop, sur le 6. Non ! Eh bien, 3 morts. Nous allons activer les Simbarèches. Comme ceci, et on va tout mettre dans les écarisseurs. C'est parti. Moins un à touche. Oui, une mortelle déjà, en plus. Et pas de blessure, juste une mortelle. Tu vois que c'est bien de toucher sur du 6 et faire des blessures mortelles. Tout à fait. Donc sur mes écarisseurs, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Donc celui-ci n'aura plus que 4 points de vie. Alors, est-ce que mon Subtle Priest est à portée? J'ai un doute. Non. Enfin, encore que. Hop. La précision. Alors, il y serait. Vas-y. Mais je ne vous cache pas qu'il est bien là. Donc, il ne va pas avancer plus que. Faut que t'es engagé. Je suis engagé, mais je ne vais pas m'amuser à le perdre bêtement. Donc, il s'active et reste sur place. Voilà. On va activer par les contre, ah, elle, par contre, la ritualiste, elle peut peut-être. Avec à ce niveau-là. Oui, c'est un oui. Vu que justement, ce serait en ligne droite les trois pas. Eh bien, écoute, faisons-nous plaisir. Hein. T'as pas réussi à avoir une première fois. T'as vu? Je vais. Viens. Je viens. Il me reste un point de vie. Mais elle vient quand même. Hop. Pif, paf, pouf. Hop, hop. Donc, sa seule attaque qui touche. Qui rate. Voilà. Non, mais vous avez déjà vu à quoi elle servait. On n'a pas besoin de faire un excès de violence, là. Les excès, c'est de son côté, hein. C'est pas du mien. Vous en faites pas. Les archers vont pas éliminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. À moins 1. Ça va toucher sur du 5. Et bien il y aura deux mortels. C'est beau quand même. Et ça va blesser sur du 4. Deux blessures normales. Normal, à 3, un point de vie. Plus les deux mortels. Il restera donc un point de vie. Très bien. Et oui, nous arrivons donc à la fin de la phase de corps à corps. Et oui, je sais, vous allez me dire à chaque fois, je l'ai oublié un tour sur deux. Les 4. Sur un 4 plus, il va se prendre des blessures mortelles, en voulez-vous, en voilà. Donc d'abord, sur Tessine, oui, pour 2 blessures mortelles, donc un signe en moins. Un signe en moins. Hop. Les démonatis sont l'hôtelier. L'hôtel, oui, pour 1 point de vie.
mais qui a une protection à 6, si je ne m'abuse, vu que c'est l'hôtel du chaos. L'hôtel a une protection à 6, tout à fait. Eh ben non. Non. Ensuite, les archères. Non. Et les démonettes. Oui, pour 3 blessures mortelles. Ceci sonne la fin de ma phase de combat. Phase de déroute. Et là, rien à voir. Oui. Tes archères. J'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 5 archers. J'ai une bravoure à 6. Que demander de mieux. De mon côté, je n'ai pas perdu d'écarisseur. Là, c'est bon. Et tes Simbaresh. Mes Simbaresh, j'en ai perdu 2. Je ne peux pas en perdre, donc c'est bon. Par contre, les démonettes, c'est comme tes Blood Letters. Ah, sur le fameux 1 ? Non. Non, mais on parle pas assez du 1 chez les démons. Voilà. Voilà, voilà pour que la fée des 1. Pour vous montrer que oui, c'est bien quand c'est à la phase de déroute. Voilà. Ceci signe donc la fin de notre, enfin de ma phase de déroute. Un résultat des courses, j'ai fait œil pour œil, vu que j'ai tué ton Lord of Hubris. Mm-hmm. Ce qui fait que je termine mon tour numéro 3 avec 4 points à 2. Initiative pour le round numéro 4. Magnifique 5, 2. Et bien tu as le choix. J'ai le choix. Et je vais le prendre ce choix. Aïe. Début de mon tour 4. Alors, en action héroïque. Mais d'ailleurs, avant toute chose, la tactique de bataille, je vais prendre ne laisser personne en vie. Donc une tactique de corne qui me demande d'avoir une unité ici, à 3 pas ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies. Il faut qu'à la fin de mon tour, elle ait combattu et qu'il ne reste plus rien à ces 3 pas. Donc ce sera le buveur de sang que je vais choisir pour éliminer le plus possible d'unités, c'est-à-dire aussi bien les Sinbarish, enfin le Sinbarish pour le coup, et les archères. Donc ça c'est la tactique de bataille. Ensuite, l'action héroïque, mon prêtre va justement tenter de se soigner. Voilà. Non, pas besoin. Bah oui, logique imparable, sale gosse. Mais du coup, on va continuer par les prières, justement. Alors, la prière. Ici, il va lancer le sang bouillant sur le dernier Sinbarish. Il échoue, mais il peut relancer. Qui réussit pour des 6 blessures mortelles. 6 blessures, il est mort. Point de dîme de sang. Ensuite, il va donner le mouvement supplémentaire. Le mouvement supplémentaire à Valkia. Faut pas l'oublier, la petite. Raté. Bon, voilà. Non, mais on fait ce qu'on peut. On lui laisse encore une chance. Hein. Quoi d'autre? Ça, c'était donc la... Ah si, j'ai encore ma ritualiste qui peut faire sa prière pour faire avancer soit l'hôtel ou donner plus un à la sauvegarde. Il va le donner le plus un à la sauvegarde au buveur de sang qui réussit. Et de toute façon, j'ai ta portée pour relancer. Donc, c'est bon. Et ainsi, on va pouvoir passer juste après à la phase de tir. Alors, du coup, nous nous retrouvons à la fin de la phase de mouvement. Il n'y avait que Valkia qui pouvait faire un grand mouvement pour aller chasser l'hôtel, qui a fait un redéploiement de 1. Oh. Et pendant ce temps, le Social Priest est revenu dans l'hôtel pour festoyer de tous les crânes qu'il a pu amasser au fur et à mesure. Donc, phase de tir. Le buveur de sang ici présent va tirer sur les démonettes avec un malus de moins 1. Alors, il touche 3 fois. Il fait 2 blessures à moins 1, s'il te plaît. À 6. Donc, 1, 2, 3 dégâts. Touk, touk, touk. Ce qui conclut ma phase de tir. Attends. Attends, il a fait du dégât la phase de tir ? Oui, il me semblerait-il. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, non, alors oui, Korn, quand il fait des dégâts au tir, il le fait bien. Sinon, bah voilà, faut pas se donner du résultat. Donc, phase de corps à corps, action monstrueuse. Il n'y a pas de charge? Alors, si, il est charge. T'es sympa, c'est gentil. C'est la fatigue, hein, qu'est-ce que vous voulez? La charge de Valkia. Qui chasse bien la chasseuse là. Donc, elle va aller directement dire bonjour. Hop, à l'hôtel. Bonjour. Et c'était ma phase de charge, voilà. Ensuite, les actions monstrueuses. Je ne suis pas vraiment
à portée pour te faire quoi que ce soit. Tout à fait. Donc surtout, je vais activer mon unité, donc principalement le buveur de sang. Elle n'est pas strike first, Lucas. Si, comme elle a chargé, correct. C'est vraiment la fatigue. Donc, les 5 attaques de Valkia. Qui... À moins 1. Moins 1. Qui touche bien. Qui va blesser. Ah, qui blesse moyen. Moyen. Tu rates une 3. En effet, je rate 3. Je te propose 3d6. Oh. Non, mais c'est la fin. Allez, vas-y, c'est bon, je te les donne. 97. Eh bien, ça va me faire 7, ce qui veut dire que je serai à 37 points de dépravation. Et donc, c'est à combien ton dernier palier? C'est à 36, c'est 36, ça ouais. Il a atteint son dernier palier. Donc, ça veut dire que eh bien, tu as 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. C'est une sauvegarde à 4 de base, le shrine. Donc, à 6. Et donc tu auras 6 protections à 5 du coup, vu qu'il a son dernier point de dépravation. 6, je ne suis pas Edenite of Slanish. Ah, mais t'en as quand même. Pour 5 points de vie. 5 points de vie, celui. Plus celui que j'avais pris tout à l'heure, il en a perdu 6, il en avait 14, il lui en reste 8. Tu as ton petit marqueur? Non. Tiens, je t'en prie, hein, ça fait plaisir. Donc maintenant, activation de nouveau du buveur de sang, qui s'active, et qui lui dira, ah ah, Ward, c'est bien beau, c'est merveilleux. Alors, j'ai 8 attaques, il me reste 2 points de commandement, je vais me mettre plus 1 à la touche, je m'assure, encore une fois, cette tactique. Tout touche. J'ai 9 points de vie, donc ce qui veut dire que je vais blesser sur du 3+, et non plus sur du 2+. Me tenter quelque chose avec ces dés. Je suis un gentilhomme. Oh, vous êtes bien bon. Vous êtes bien bon, monseigneur. Allez, j'accepte. Allez, 3d6 points de dépravation. 5, 7, 8, 9, 10. 10, et du coup, je passe à 47. 47. Et pendant ce temps, ça, c'était léger pour blesser. Du coup, je suis en reine moins 1, je suppose. Reine moins 2. Moins 2, donc du coup, j'ai plus du tout de sauvegarde. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Et hop. À mon shrine. Donc, en effet, à l'hôtel, l'attaquer. De répondre. Je vais aller chercher le profil parce que je le connais pas par cœur. Alors, oui, faut vous excuser, mais il y a des certains moments, certaines figurines. De base, on se doute pas que vous allez les utiliser. C'est rare que ça aille se battre. Surtout alors, quand une Valkia fait là, là. C'est subi. Ok, c'est ça. Alors. Alors. Premier profil, on va avoir 4 attaques sur du 3+. Très bien. Qui blesse à 3. 2 save à moins 1. 2 save à moins 1. Donc 2 save à 4. Dégâts 2. Dégâts 2, j'ai 2 wards à 5. 2 points de vie, il en reste 4. Sans suivi de 5 attaques qui vont toucher à 4. Blessé à 3. Une seule sans rend. Une seule sans rend. Ouais. Et une rend. Enfin, une sauvegarde à 3, sauvegardée. Parfait. Fin de la phase des héros. Enfin, phase des héros, mais non. Toute mon armée est héroïque. Ton armée est héroïque. Un bien moindre de regret. Non, fin de la phase de corps à corps. Ce qui se passe, bah voilà. Des points de dîme de sang, en voulez-vous, en voilà. C'est offert par Korn. Il n'y a pas de souci. Et par Stanesh, merci beaucoup à toi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de phase de déroute. En tactique de bataille, j'ai donc ne laissé personne en vie. Je l'ai réalisé. Ce qui fait que je marque 6 points à la fin de ce tour numéro 4. Début de mon tour 4, on n'est pas forcément très bien, mais on va aller chercher des solutions. En l'occurrence, j'ai l'option de faire un Desecret Zerland sur ce terrain qui est en partie dans la zone de déploiement de mon ami Corneux qui m'a gentiment tapé dessus. Il me reste un point de commandement, je vais donc faire un ralliement depuis mon Warshrine qui est totem sur mes démonettes. J'en ai perdu 6 sur du 5, j'en récupère 2.
Action héroïque, ce sera de nouveau mon général qui va tenter de regagner des points de vie. Donc, pour 3 points de dîme de sang, je vais lancer 8 dés. Et sur un 3+, tu te prendras une blessure mortelle. Sachant que normalement, c'est sur du 5+, mais comme tu es une unité qui a une caractéristique de blessure de 10 ou plus, ce sera sur du 3+. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 mortels qui vont tanker sur des wards à 6. Je repère 4 points de vie de plus. Fin de ma phase de mouvement. J'ai 47 points de dépravation. Je vais en utiliser 36 pour faire revenir un keeper. Phase de charge. Parce que phase de tir, je n'ai pas grand chose à faire. On va quand même tenter d'y aller avec le keeper sur un gros jet. Raté. C'est relançable parce que je suis un héros Godseeker. Ça toujours sera pas. Fin du tour. Ah non, quoique, on a la phase de combat juste avant. Tout à fait. Je vais te taper dessus. 4 attaques sur du 3+. Sur du 3+. Une reine moins 1. À 4. Raté. Dégâts 2. Dégâts 2. Il lui reste donc 2 points de vie. Très bien. Et les 4 attaques du petit père en dessous. 4 attaques. Oh, d'ailleurs, j'ai ma ward à 5. Vas-y. Un point de vie. Et une blessure supplémentaire sans rend. Alors, sauvegarde à 3. Sauvegarde. Ok. À toi. Ensuite, Valkia va dépenser son point de commandement pour se donner la plus 1 à la touche. 3, 4 et 1, 5. Ça touche bien. Du coup, ton hôtel, comme il n'est pas édonite, est-ce qu'il a le malus? Enfin, est-ce que j'ai le malus de moins 1? T'as pas le malus. J'ai touche. Pas le malus de moins 1. De toute façon, il n'y est plus parce qu'actuellement, je suis tombé à 11 points. Correct. Eh bien, tu auras 1, 2, 3, 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 4 sauvegardes à moins 2, à 6. Tu prends 6 protections, s'il te plaît. Il taille. Comme quoi la comète. Ouf. Elle aura servi. Je score du coup mon dé secret d'Erland, ce qui me ramène du coup un score de 4. Initiative du rond numéro 5, c'est le dernier, on n'en peut plus, on va encore, mais on va encore se battre. Qu'est-ce que ça va donner? 1, 5. C'est Stanesh qui a donc la possibilité de choisir l'initiative ou pas. Donc, grosso modo, que je ne prenne ou que je ne prenne pas l'initiative, je suis complètement bloqué. Je n'ai plus aucune stratégie à valider. Celle du BT n'étant pas en accord, et c'est pareil, je n'ai plus de champion de galets, donc celles qui sont dans le manuel actuellement ne sont pas faisables. Niveau de l'invocation, il me reste 11 points, je suis complètement bloqué. Donc du coup, ce n'est pas scorable. Et à son tour, Morgoth, il suffit de placer une unité sur chacune des objectifs pour remporter la victoire automatiquement. Et que derrière, en fait, il pourrait, entre guillemets, chasser mon général, etc. Sauf que j'ai énormément de points de dîme de sang. Donc je pourrais encore une fois utiliser un point pour redéployer des unités par-ci par-là, puis refaire un redéploiement vu qu'il s'avancerait. Donc je jouerais, entre guillemets, la savonnette. Ce qui serait, entre guillemets, pas forcément corneux, mais tactiquement, ce qui serait le plus louable. Ou surtout, je pourrais après me dire, là aussi, ma phase des héros, je fais popper une unité pour en effet capturer tous les objectifs et remporter la bataille. Puisque dans tous les cas, je ferai ramener à chaque fois mes différentes unités sur les objectifs et pour dire, non, tu ne les auras pas. Totalement d'accord. Et maintenant, nous allons pouvoir passer au débriefing. Bravo mon cher. Merci monsieur. Grosse partie. Ouais. J'ai cru que ton château allait casser à un moment. Je sais, mais on va en parler au débriefing, ne t'en fais pas. Bon. De retour pour ce débriefing, ô combien... Alors en fait, on aurait beaucoup de choses à dire, mais en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Ben déjà, le château qui a tenu, malgré tout... Ouais, je pense que le... Des deux côtés. Ouais, parce que c'est super fort, c'est l'effet du buveur qui donne moins 1 à la touche. Ouais. J'ai des unités qui saturent beaucoup. Bah, pour toucher, c'est pas ça. Et surtout que derrière, avec tes points de dépravation, j'ai constamment refusé, j'ai pris cher, et au final, bah, entre guillemets, c'est peut-être ça qui m'a permis de mieux tenir, pour éviter justement les malus, etc. etc. Ouais. Ce que je retiens le plus important de tous, le débat de la Chaos Corp, qui est le meilleur responsable des ressources humaines entre tonton Sissi et Tata Valkia. Vas-y, dis-le. C'est un coup dans le dos, c'est pas... Non, mais tout de suite, là. Oh.
L'histoire ne retiendra pas ça, voyons, voyons. Mais que dire d'autre? Non, mais belle partie, surtout que vraiment, la pression sur. Quand on a relu le scénario, ah, donc tu peux gagner si tu as les trois objectifs. Ça fait beaucoup penser à la mort subite qu'on avait sur le oui, avec les quatre objets. Les quatre objets et celui qu'on avait aussi à une époque sur la deuxième version du jeu, où tu n'avais qu'un objectif dans chacun des camps. Et c'est pour ça que même là, mine de rien, juste ça, je vous cache pas qu'à la caméra, je faisais mon fanfaron, mais derrière, je suis mais en fait, je vais perdre dès le troisième tour. Il faut vraiment bien gérer les choses au fur et à mesure, les activations. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, justement, par rapport à du Khorne contre du Slaanesh, c'est qu'il y a beaucoup d'activations, il y a beaucoup d'effets, au final, qui vont s'annuler, se booster, etc. Et le point du 1900 qui me permet quand même de revenir peu à peu pour contrebalancer ta vélocité. Où en fait tu peux arriver partout sur le champ de bataille, que moi je ne peux pas forcément faire grand chose pour le contrecarrer, juste peut-être avancer au fur et à mesure mes unités et espérer que les prières passent de temps en temps, etc. Donc, ouais, justement, je me suis dit qu'en prenant l'aggro assez vite et en espérant ne pas t'en donner trop de manière à avancer, non, ça n'a pas été suffisant. Et encore une fois, mine de rien, Khorne qui va vraiment jouer sur de l'attrition de marquer du scoring de tactique sur route du massacre, vous m'excuserez. Bah, en fait, comme je tue beaucoup, bah, j'ai plus beaucoup de scoring à faire. Et quand tu dois tenir peu à peu les points, tu les comptes chèrement, surtout qu'avec ce scénario-là. Non, mais ce scénario où c'est le premier tour, tu marques quasiment rien avec nous, au secours, quoi. Non, mais en tout cas, c'était une très belle partie. Rien à redire dessus. Les figurines, surtout celles de mon adversaire, elles sont magnifiques comme tout. Le Slaanesh, on le sent passer. Encore une fois, vous m'excuserez. Les tactiques, ça à chaque fois nous a demandé de réfléchir au fur et à mesure, au placement, aux activations, etc. Franchement, la game, rien qu'avant de la commencer, avec Balek, on est en mode, ça va trop bien. Déjà, c'est le chaos qui s'affronte le chaos, c'est deux dieux qui s'aiment pas, qui s'affrontent aussi. Deux dieux rivaux, entre guillemets, nous, moralement, on avait déjà gagné avant même de jouer, parce qu'on est en mode, on va bien s'éclater. Et moi, je lui ai dit, s'il gagne, je gagne, c'est un excès de violence. Je suis le dieu des excès, ouais. C'est valide. Attends, excuse-moi, j'avais des cheveux longs devant mon oreille, quoi, j'ai jamais entendu. Excès. Vous me direz en commentaire au cas où. Hein. Les seigneurs de guerre, c'est une fin de partie. Merci à nos deux joueurs, merci Morgoth, merci Balek, merci au chaos. C'était un vrai kiff de voir ces deux armées démoniaques sur la table. J'espère qu'on en verra plein d'autres de votre part et peut-être de la vôtre. Si jamais vous avez des questions à poser à nos deux joueurs, ils sont sur notre Discord. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord. Important. Voilà, c'est des questions sur les listes, sur comment jouer, si vous aviez des conseils à donner, peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on est là aussi pour pouvoir échanger autour du jeu, et donc le Discord est là pour ça. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis, bien entendu. Si vous voulez nous remercier, vous passez par notre Tipeee pour nous aider à continuer à faire des rapports de bataille de qualité supérieure. Vous pouvez aussi passer par nos liens d'affiliation, MyObiPlace pour des figurines à moins 20%, les meilleurs prix du net. Je vous rappelle que si vous passez par le lien d'affiliation, vous nous aidez aussi à nous développer. Nos autres partenaires, Crank War Game, pour ses tapis, on avait un superbe tapis encore une fois de sa part. Et pour des décors de qualité et des accessoires, tous les petits les marqueurs de socle de Morgoth venaient de chez MyScenary. Donc voilà, donc merci à nos partenaires de nous aider aussi à continuer. Je vous donne rendez-vous pour un prochain rapport de bataille, pour du live sur Twitch, pour du contenu compétitif sur Team Creative Wargames. Tous les liens sont dans la description. On se revoit très bientôt et d'ici là, je vous dis ciao les seigneurs de guerre.